Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue au 30e Festival de l'Oiseau et de la Nature. Nous sommes ensemble pour 30 minutes d'échange avec le photographe Alexandre Hébert. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Jean-Baptiste et bonsoir à tous. Alors ce soir, vous allez nous présenter des images de votre toute première exposition, Objectif Baie. Et ces images, elles ont une valeur un peu particulière pour cette édition, puisqu'à défaut de pouvoir nous rendre en baie de Somme, elles vont nous faire rencontrer à distance ses habitants, sa faune et ses paysages. Petite précision à ceux qui nous regardent, durant l'échange, vous pouvez nous transmettre vos remarques et vos questions grâce à l'outil de chat. Alexandre, photographe, c'est pas votre métier principal, si je ne m'abuse. Non, alors mon métier principal, c'est dessinateur de presse, donc depuis 20 ans. Et puis, j'ai la passion de la photo depuis depuis 25 ans, en ayant touché, évidemment, comme à peu près tous les photographes, l'appareil photo du papa étant jeune. Et j'ai pris goût à la photo en voyage. Les premiers voyages où j'ai vraiment pris goût à la photo, photo de nature, photo de paysage, humain aussi. Et voilà, donc j'ai pu exercer ma première passion, mes premiers émois photographiques, beaucoup en Afrique, au Sénégal, en Guinée, à Madagascar surtout. Et j'avais pu à l'époque prendre un vieux train, un très très vieux train qui est un peu connu maintenant, qui relie les hauts plateaux de Madagascar à la côte est de l'océan Indien, où on met au meilleur des cas 12 heures pour faire 160 km et dans le pire des cas parfois 2 jours, 3 jours, et c'était une bonne expérience. J'avais pu caser ce reportage photo avec quelques écrits dans un magazine qui n'existe plus maintenant, Passeport, on peut faire la pub, mais Et c'est comme ça que tout a commencé. Alors attardons-nous un peu quand même sur le dessin de presse. Racontez-nous un peu ce métier. Vous traitez de l'actualité en général, vous vous spécialisez sur certaines thématiques, comment ça marche? Ah non, c'est le terreau, le terrain, c'est l'actu. Donc l'actu politique, on va dire 90% du temps, c'est l'actu politique. Après viennent le sport, société, le Covid. Et l'actu environnementale, vous la traitez, l'actu environnementale? Oui, bien sûr, évidemment. On est tous concernés, donc évidemment que je la traite. Un peu ardu d'ailleurs, là, de toute façon, avec les verts politiquement, mais bon, je sais pas si c'est bien d'amener le sujet là-dessus. Je leur souhaite d'être un peu plus un peu moins couillon sur certains trucs là, parce qu'ils vont se gaufrer menu. Mais revenons à la photo, et peut-être le parallèle entre la photo et le dessin. Est-ce que croquer l'actualité politique en dessin ou prendre des photos, c'est la même chose ou c'est complètement différent? On reste dans l'image. Quand je fais mon dessin, j'ai effectivement des éléments.
voilà, mes personnages. J'y fais un cadrage aussi, comme en photo. J'essaie de placer tous les éléments de la meilleure, pour avoir la meilleure lecture possible. Évidemment, on n'a pas le même objectif, parce que le dessin, c'est vraiment fait pour faire marrer, ou réfléchir ou pas. Chose que la photo peut évidemment faire aussi, hein, marrer. Mais c'est d'autres ressorts. Mais oui, effectivement, il y a des similitudes certaines. Ouais. Dans tous les cas, ça doit nécessiter d'avoir de l'œil. Et alors, vous avez dit que la photographie, ça vous est venu beaucoup par le voyage. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que vous photographiez beaucoup, essentiellement, la baie de Somme, qui est donc un peu votre patrie. Est-ce que, du coup, la photo, c'est devenu un peu indissociable de la baie ? Oui, clairement oui, parce que autant j'avais la passion de la photo il y a 25 ans, et quand je pouvais voyager, quand je revenais, je lâchais un peu l'appareil parce que j'ai vécu en baie de Somme jusqu'à l'âge de 20 ans. Après, je suis parti à Lille pendant 20 et des années, et je suis revenu il y a 5 ans. Alors, j'aime autant vous dire que depuis 5 ans, j'ai repris l'appareil, parce que quand on a sous les yeux et sous la main autant de diversité, autant de couleurs, autant de lumière, autant de faune, autant de flore, et j'oublie certainement des éléments. C'est ça le cocktail qui fait, parce que vous êtes amoureux de votre région, mais vous n'êtes pas le seul. C'est un espace qui attire beaucoup de gens et beaucoup d'artistes en tout genre. Et donc, pourquoi cette fascination, à votre avis? C'est tous les éléments que vous venez de nous citer? Oui. Mais je pense qu'il y a autant de tous les éléments que j'ai indiqués. Et puis je pense qu'il y a des endroits comme ça qui sont un peu magnétique quand on est ici. Enfin, en tous les cas, me concernant, il y a un attrait. Vous savez, j'ai des amis ici qui fait 30 ans qu'ils sont là, et j'ai une amie la dernière fois qui me disait: c'est dingue, ça fait 30 ans que je longe la baie de Somme pour aller au boulot. Je suis en même étonné d'avoir encore eu jamais un accident de bagnole, parce que je regarde à gauche, je regarde à droite, et voilà. Et c'est pareil, je crois que les gens qui vivent là, mais ça peut être dans d'autres endroits de France, évidemment, qui ont le même magnétisme. Oui, il y a une nature incroyable ici. Il y a des lumières qui changent tout le temps, des couleurs qui changent tout le temps, selon les vents, les marées, les heures. C'est incroyable. Ouais. Est-ce que vous avez une préférence pour l'un de ces éléments de la baie de Somme? Est-ce que ce que vous préférez, c'est les paysages? Est-ce que c'est les gens de la baie de Somme? Est-ce que ce sont les lumières, les couleurs? Non, c'est un tout, et c'est pour ça que l'exposition m'a bien plu. En tous les cas, la thématique d'Objectif B m'a bien plu, proposée par le festival, parce que je ne m'estime absolument pas photographe d'oiseaux ornithologiques, parce que j'ai pas toutes les connaissances pour ça, et je ne veux pas me spécialiser. J'aime autant effectivement aller faire des oiseaux que du paysage. Et dernièrement, j'ai fait toute une série sur les pêcheurs de coqs, où on a vraiment des gueules, quoi. Quand je dis des gueules, c'est pas du tout une insulte, c'est vraiment des gueules, des visages burinés, enfin tout ce qu'un photographe peut espérer, avec, magnifié par les lumières qu'on a là, et tout est lié. Je crois qu'on peut pas dissocier un élément les uns l'un de l'autre ici. Tout est lié. Ces gens-là ont justement ce caractère fort, parce que ici on a des immensités, on est libre. Les gens sont libres ici. Donc il y a le caractère qui va avec. Ça se voit sur la dans le caractère, sur la figure de ces gens-là, et ça c'est génial. Ouais, Et c'est pas un peu déstabilisant de se dire qu'il y a autant de productions artistiques autour d'un même lieu? Il n'y a pas un moment où, quand vous appuyez sur le déclencheur, vous dites « bon, bah, cette photo, elle a déjà été faite 1000 fois ». Oui, ça peut arriver parce que pour ce que vous venez de dire, mais en même temps, ça change tellement que ça pousse à la créativité. C'est-à-dire qu'effectivement, je vais pas, si j'ai fait une photo d'un même endroit plusieurs fois, je vais m'arranger pour le faire d'un autre angle, d'un autre endroit, avec peut-être d'autres éléments, avec un autre temps, un autre ciel, un autre... Voilà, en fait, la photo sera jamais la même. La photo sera jamais la même. Il y a des images d'Épinal, de la baie. Il y a la pointe du Hourdel avec ses phoques, il y a le parc du Marcanterre avec ses oiseaux, l'estran entre Saint-Valéry et le Crotoy quand la marée est basse. Est-ce que ça vous plaît toujours d'essayer de le saisir, ou vous allez chercher à vous concentrer sur des choses nouvelles? Les deux, mon capitaine, les deux, parce que vous parliez du Blockhaus tout à l'heure, mais je le connais depuis que je suis gamin, ce Blockhaus, et je l'ai connu, il était bien debout, posé sur son socle, et depuis quelques années maintenant, il a basculé avec l'érosion, et il est...
J'adore ce blocos. Alors, c'est vrai que c'est un sujet de discussion avec certaines personnes âgées qui, évidemment, voient ce truc-là comme la pire des horreurs, et on peut le comprendre. Moi, évidemment, je ne vois pas que ça. Et ce blocos, il est devenu, je le dis souvent, un personnage. On va voir le blocos du Hourdel. Les gens viennent ici pour voir le blocos. Et c'est pas, évidemment, on va pas voir là un espèce de truc morbide pour voir ce qui s'est passé avant. C'est qu'il est vraiment, lui aussi, magnétique, avec quelque chose de l'ordre de la science-fiction, de très cinématographique dans ce blocos, où on peut y voir un vaisseau spatial qui s'est crashé par temps de tempête avec les gerbes d'eau. Ne spoilez pas tout, on va y revenir plus tard au blocos. Ah, pardon, ok. Ça fait partie de ce que vous nous avez sélectionné comme cliché. Mais ce que je comprends aussi en filigrane dans ce que vous nous dites, c'est que la baie, c'est jamais la même finalement, elle change. Et vous la voyez changer et vous essayez de saisir, de capter un peu ces changements. Tout le temps. C'est pas pour rien qu'il y a autant d'artistes qui soient venus ici. Hein. Les Colette, les Jules Verne, les Alain Souchon, pour aller le plus récent. Des peintres, il y a des tas de peintres ici qui viennent. Parce que c'est un lieu inspirant. Parlons d'inspiration, pardon. Vous avez des artistes, des peintres, des photographes ou autres qui vous ont inspiré dans votre travail, que ce soit d'ailleurs en lien avec la baie de Somme ou... Alors, c'est pas du tout par négligence ni par manque d'attrait pour tout ça. C'est que j'ai commencé, je vais vous faire la même réponse que quand on m'a demandé pour le dessin. J'ai commencé le dessin sans aucune référence. Alors, j'aimais beaucoup Cabu, mais j'ai commencé à dessiner tout petit sans avoir de référence. Je me suis jamais dit un jour, tiens, je vais dessiner comme un tel ou un tel. Et la photo, c'est pareil, ça m'est venu comme ça. Certainement par l'appareil photo de mon père que je voyais traîner, que je le voyais faire des photos. Mais j'ai pas eu de, je me suis pas plongé dans une culture particulière, j'ai pas eu de référent particulier pour avoir ces inspirations-là. Alors non pas que je me désintéresse de ça, au contraire, il y a des photographes que j'aime énormément, il y a des dessinateurs maintenant, mais ce qui permet aussi peut-être d'avoir une, j'espère, peut-être une touche personnelle, un œil personnel et peut-être, assez, je sais pas. Mais... assez libre et indépendant. Est-ce que la baie, elle possède encore des secrets? Heureusement. Est-ce que vous êtes d'accord pour vous nous en livrer certains? Je sais pas si c'est comme une recette de cuisine. Normalement, ça se dit pas. Mais bon, je veux bien faire un petit effort. Bon, alors, à défaut de nous révéler des secrets, vous allez nous raconter, nous décrire un peu certains de ces plus beaux atours. Donc, on va commencer par une première photo que vous nous avez sélectionnée, qu'on peut voir d'ailleurs derrière vous. Donc, il va y avoir une mise en abîme. ce sont les mouflons de la baie. Alors, moi, je vois des mouflons à côté de l'océan et dans la neige. Donc, je sais plus trop où je suis là. Donc c'est bien, c'est gagné. Bravo, c'est ce que je voulais. Alors, ces mouflons, ils ont une histoire particulière, c'est qu'ils ont été importés de Corse, une dizaine, au début des années 80, par le directeur du domaine du Marcantère. Et alors, dans un premier temps, c'était pour la débroussaille du coin et pour la chasse aussi, voilà, qui fait partie d'une tradition très ancrée ici. Et puis, ils se sont tellement bien adaptés au climat et au lieu qu'ils se sont énormément reproduits, ils ont sauté les enclos. Et puis aujourd'hui, alors je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'on en dénombre autour de 350, 400... Alors, qui sont situés au nord de la baie de Somme, dans la baie de la Mée, qui est juste au-dessus du Crotoy, c'est pas très loin, c'est vraiment très, très, ça se touche. Et donc, on peut les voir dans la baie de la Mée, à marée basse, où ils vont brouter, et puis ils rentrent dans la Pinède pour se mettre à l'abri pour la nuit. Et j'attendais de faire cette photo depuis... C'est ce que je voulais vous demander. Est-ce que vous avez toujours en tête la photo que vous voulez faire et vous attendez le moment propice pour la faire? Alors, la photo que vous voyez là, c'est une photo que j'avais pas précisément en tête de la faire comme ça, mais disons que je voulais absolument faire les photos de mouflons dans la neige. Alors la neige, autant vous dire que par là, par ici, c'est un peu compliqué pour la voir, même si on est dans le nord. Il neige pas beaucoup, et j'ai pris cette photo un matin de janvier, un des seuls matins d'ailleurs où il a gelé très fort. Il y avait un givre partout dans la baie, c'était blanc scintillant. Et donc je suis allé là-bas au lever du soleil. Et donc tout était réuni, c'est-à-dire la marée basse, la marée descendante, il y avait la lumière, le soleil qui était derrière moi, il y avait la brume de fond, le froid, le givre et les animaux qui étaient là en nombre, parce qu'il y en avait, j'ai dû en compter ce matin-là par paquet de 10, à peu près 300, et donc j'ai fait ces photos.
Mais je n'ai pas vu cette photo-là dans le viseur quand je l'ai prise. C'est en rentrant à la maison où j'ai sorti les photos et j'ai vu celle-là, je fais « Oh là là, celle-là, j'aime bien. » Parce qu'en fait, c'est lui, c'est le mouflon principal, le mâle avec ses grandes cornes qui donne toute la tonalité à la photo. Regarder. Et il regarde et il domine toute la photo. Si vous l'enlevez, faites abstraction de cet animal, il ne reste rien. Alors oui, il y a des animaux, il y a le givre, mais il ne reste plus grand-chose. Et s'il n'avait pas été là, je ne crois pas que la photo aurait eu cette densité-là. Ouais. Donc ça veut dire que ça tient parfois à peu de choses. Oui, bien sûr, il y a du hasard dans la photo, bien sûr. Il y a des choses qu'on prend. Enfin, moi, en tous les cas, on ne maîtrise pas toujours tout et c'est très, très, très fréquent qu'on découvre sur une photo un élément qu'on n'avait pas vu sur le moment, dont celui-là. Ouais. Alors on va passer à la seconde photo. Celle-ci, vous l'avez intitulée « Drapeau ». Alors, ça serait quoi pour vous les couleurs du drapeau de la Somme ? C'est un petit peu ces couleurs-là. C'est-à-dire, il y a de l'opale, il y a du... Oui, c'est pas pour rien qu'on dit un petit peu la côte d'opale. Il y a des camailleux, il y a des... Voilà, j'aime beaucoup, moi, ces temps-là, parce que c'était un temps, il faisait très, 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 très contrasté. C'était un temps très... J'allais dire très orageux, oui et non, parce que c'était en fin d'hiver, début de printemps, et il y a un ciel très très noir qui arrivait, qu'on voit là. Et sur la gauche, je vais vous expliquer pourquoi cette première photo amène à la deuxième, mais bon, on va y revenir. C'est pour montrer que sur un même plan, sur un même temps, un même panorama, un même paysage, on peut avoir deux photos radicalement opposées. Moi, ce qui m'intéressait là, c'était le côté un peu minimaliste, le côté drapeau, le côté un peu justement, là, on graphique. On s'approche d'un cadrage et d'une composition quasi abstraite, donc on est plus vraiment dans une photo, de la photo naturaliste, on est dans une photo pratiquement d'art. Ça vous plaît de faire ce genre de fichier-là ? Oui, parce que je m'impose pas de limite, il n'y a pas de limite. C'est un truc qui est un peu dérangeant, je trouve, en photo, parce qu'il y a quand même des gens qui se prennent beaucoup la tête dans la photo et en disant « Ah oui, il ne faut pas être comme ça ». Il y a des gens très techniques, très pointus, très philosophiques dans la photo. Voilà, moi j'ai pris cette photo-là parce qu'elle me plaisait, ça donnait notre approche du paysage d'ensemble qu'on va voir après. Et c'est ça qui est intéressant d'ailleurs, c'est qu'on peut avec sur une même photo, une même vue, avoir deux choses complètement différentes. Là, on a un côté très cadré, très, très rangé, très graphique. Alors que la photo, quand on va élargir le plan après, on a quelque chose de très sauvage. Élargissons le plan d'après. Donc, passons à la troisième photo. Desserrons le cadre. Voilà. Donc là, c'est la photo qu'on a avec un angle beaucoup plus grand. Et la photo, voilà, elle est là, il y a une espèce d'anarchie, il y a un côté sauvage, le temps est sauvage. Là, ce qu'on voit arriver, il y a toujours le grain qui pointe. Ouais. Là, ce qu'on voit arriver, c'est de la grêle et de la neige. Donc là, j'étais vraiment en haut d'une dune. Et j'ai vu ce ciel arriver. Donc voilà, toutes les couleurs se sont mises à ressortir avec le soleil qui pointait de temps en temps. Et on a météorologique, c'est du pain béni, j'imagine, pour le photographe. C'est là où vous tirez les meilleures lumières et les meilleures couleurs. Ouais, bah moi j'adore ces temps-là. C'est vrai que j'adore des ciels contrastés comme ça. Moi, le ciel bleu, c'est bien pour les week-ends et les vacances, mais pour le moral. Mais c'est que pour la photo, quand on a des ciels comme ça, chargés, intenses, avec des couleurs comme ça, sauvages, ouais, je préfère. Ouais. Et ça se produit souvent en Baie-de-Somme. Vous avez souvent l'occasion. Oui. On est gâté niveau temps ici. On est très très gâté parce que après je vais pas dire que c'est la Côte d'Azur, tout le monde va se pointer. Mais non, il fait beau, on a la chance d'avoir un temps plutôt clément. Et puis surtout le temps change vite, c'est-à-dire que même quand il pleut, il y a de la tempête, on voit minimum une journée. Ouais, on voit le soleil au moins une fois dans la journée, ouais. Ou alors si vraiment on le voit pas, c'est que c'est très rare. Dans le cliché suivant, on est toujours dans la tempête. Et on retrouve ce fameux vaisseau spatial dont vous avez parlé, qui s'est écrasé sur la plage. Alors donc, redites-nous un peu, c'est quoi son histoire ? J'ai pas trouvé de survivant ni d'alien, malheureusement, mais oui, donc ce blocos-là, comme je vous dis, moi j'y vais très 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 souvent parce que j'habite vraiment pas très loin, et il m'étonne à chaque fois parce que c'est quelque chose de très 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 photogénique.
Là, vous voyez, enfin, moi, je l'y vois, on peut y voir comme un vaisseau spatial qui s'écrase et qui envoie ses gerbes d'eau, d'autant plus si le ciel est chargé derrière, ou alors si on le prend de l'autre côté avec le ciel et le, sur un coucher de soleil avec des nuages très, très, très noirs. Ouais, ouais, ça fait ambiance Star Wars, un peu Dune aussi, tous ces films de science-fiction. Et puis, si on le regarde, si on l'imagine, alors j'aurais dû vous donner la photo, c'est vrai qu'on se serait mieux rendu compte, mais si on l'imagine par mer calme, vous voyez en bas à droite, comme une gueule qui est ouverte, et le petit hublot du haut, ça fait un œil. Et sincèrement, j'ai une photo... On a Moby Dick. Exactement, comme une baleine. J'ai une photo comme ça, où la vague a claqué au bon moment. On dirait vraiment qu'une baleine qui crache son air et qui nage la gueule ouverte. Ouais. Vous nous disiez tout à l'heure que c'était devenu presque du coup un personnage pour vous au fil du temps et de son évolution, ce Blockhaus. Vous en avez d'autres comme ça, des personnages non humains dans la baie de Somme auxquels vous êtes attaché, vous aimez y revenir, vous aimez le reprendre en photo et voir l'évolution? Non, pas spécialement. Là, c'est vraiment l'objet vraiment emblématique que j'aime vraiment photographier. Ensuite, on peut descendre un peu plus bas et on peut aller sur le phare du Tréport où effectivement, c'est un voisin. Voilà, c'est le voisin normand. Où là, c'est pareil, j'adore, par temps de tempête, ce phare est fabuleux. Voilà, il y a des éléments comme ça qu'on loupe pas. Ouais. Qui est magnifique. Alors, on a... un commentaire sur le chat d'Arnaud Nedo qui dit « Bonsoir Alexandre, très belle série sur les gueules de la baie avec les pêcheurs à pied » et qui demande s'il y a une anecdote à propos de ça. Alors moi, ce que je vous propose, c'est qu'on attende quelques photos encore pour voir l'anecdote, puisqu'il y en a une qui va arriver. Ça marche. On va passer à la photo suivante. Donc là, on a un autre personnage de la baie. Et vous êtes parti cette fois à la rencontre d'un habitant nocturne. Vous pouvez nous dire de quelle espèce il s'agit ? Ouais, alors c'est un hibou des marais. Alors le hibou des marais, c'est une espèce qui est menacée, qui vit dans les pays nordiques et qui vient hiverner dans le nord de la France. Enfin, là en l'occurrence, il vient en baie de Somme de temps en temps. Alors il n'y a pas beaucoup d'individus qui viennent. C'est une espèce très fragile, qui est assez craintive. Et je le cherchais aussi depuis plusieurs mois. Et pareil, j'ai dû le prendre au mois de janvier. Je pense que le mois de janvier me porte chance. Et une lumière particulière. Comment vous avez réussi d'ailleurs à composer ce cadre avec cette lumière si particulière ? C'était en fin de journée, c'était vraiment fin de journée. Il devait être, je ne sais plus quelle heure, 4h30, 5h, dans ces eaux-là, peut-être un peu avant. Et je l'ai vu, il y avait un ciel assez chargé, pareil, un petit rayon de soleil qui était là, une lumière très, très tamisée. Et j'ai vu de loin une boule comme ça. C'est vrai que ça ressemble un peu à un lapin quand on le regarde de loin. Sauf que je ne voyais pas les oreilles. Enfin, si, il y avait deux petites oreilles, mais c'était beaucoup moins grand que le lapin, et il s'est tourné comme ça. J'ai vu ce visage, enfin, vous allez dire ce visage, ouais, c'est comme un visage. Et je l'ai approché, je me suis vraiment baissé. J'étais évidemment au téléobjectif, je comprends pas ça au grand angle, il faut être un peu loin quand même, puis pas le déranger surtout. Et c'est un regard hypnotique, mystérieux. C'est vraiment un animal, un magnifique animal, c'est un magnifique rapace. On peut le voir, hein, on peut le voir en. Deux jours aussi, il est diurne. Et il y en avait deux ce jour-là. L'autre était un petit peu plus loin, un peu plus caché. Mais c'était une belle rencontre. Ouais. C'était une belle rencontre. Puis des couleurs et surtout les yeux, c'est magnifique. Ouais. Si vous deviez vous choisir un animal totem de la baie de Somme, ça serait lequel ? Un animal totem de la baie de Somme, je sais pas, j'ai pas de, je veux pas dire le phoque parce que c'est un peu cliché, mais non, il y a un oiseau que j'adore ici en baie de Somme, c'est la spatule. J'adore la spatule. T'as un oiseau qui est vraiment élégant avec un bec très particulier, une grosse spatule au bout. C'est une gueule aussi. C'est vraiment une gueule et à observer, c'est vraiment très intéressant. Ouais, il y a des comportements très, ouais, c'est drôle. J'adore cet oiseau. Ouais. Alors, en parlant de gueule, on va passer à la dernière photo. Et donc là, vous nous ouvrez à la baie des Hommes.
Donc on voit votre nouvelle exposition et vous allez pouvoir nous raconter. Alors dites-nous tout sur ce monsieur, qui il est, d'où il vient, où il va, pourquoi il porte un masque. Il porte un masque, ça vous savez pourquoi. Et heureusement qu'il ne l'a pas mis parce que ça aurait été dommage de gâcher une gueule pareille. Ouais. Alors j'ai voulu finir par cette photo pour ouvrir en fait. Autant je fais de la nature, je fais du paysage, je fais de l'animalier. Mais aussi, on en parlait tout à l'heure au départ, on a ces visages, on a ces caractères, on a ces gueules qui font vraiment partie d'un tout. Et la baie de Somme, c'est ça aussi. C'est une impression de... Je l'ai pris. Alors, il s'appelle Franck, c'est un pêcheur à pied. Et lui, il symbolise... Alors, il y a toute une série. Hein. J'ai plus de 200-300 photos sur les pêcheurs à pied, les pêcheurs de coq que j'ai faites il y a quelques semaines pendant la saison ouverte. Donc, c'est vraiment... Il y a une ouverture vraiment de quelques semaines pour laisser la ressource se reconstituer. Et donc, je les ai suivis pendant plusieurs semaines. Alors, je ne les connais pas tous, évidemment, parce qu'il y en a pas mal et qui viennent aussi un petit peu du nord, de Seine-Maritime. Mais voilà, j'ai suivi entre autres Franck et qui avait cette gueule particulière, et il symbolise cette série que j'ai faite il y a quelques temps et dont j'aimerais faire une expo dans les semaines qui viennent. J'espère que ce sera possible. Donc Franck qui pêche des coqs, c'est ça, sachant qu'en baie de Somme on a différents types de pêche à pied. Il y a aussi les végétaux marins, c'est ça, avec oui. Alors on a la pêche des salicornes, des oreilles de cochon, enfin des asters maritimes, les oreilles de cochon, les pompons, on a plein de choses ici. Et ces pêcheurs à pied, lui, voilà, je l'ai pris lui parce que j'en avais plein que j'aimais beaucoup sur les pêcheurs à pied. Mais lui, voilà, j'avais une tendresse particulière pour lui, pour lui, pour son caractère, pour sa tête. Et il symbolise un peu tous ces gens que j'adorais suivre. Et s'il y en a quelques-uns qui regardent, je les salue parce que c'est vraiment des gens que j'aime beaucoup. Ouais. Pour répondre à la question d'Arnaud Nedot, est-ce qu'il y a une petite anecdote peut-être que vous voudriez partager avec nous sur ces moments avec ces pêcheurs à pied ? Anecdote c'est sa femme qui va peut-être pas être contente, mais c'est pas grave. Quand je l'ai pris en photo, je lui demande, attends, faut absolument que je te prenne en photo parce que t'as vraiment une gueule, je peux pas passer à côté. Il me dit ouais, pas de problème, vas-y. Il me dit attends, je vais enlever la cigarette parce que ma femme elle va gueuler, elle va dire que je fume encore. Je fais mais écoute. J'aime pas la clope non plus, franchement, mais je fume pas, mais franchement, t'es tellement bien avec, garde-la, ça fait bien. Et donc voilà, si madame ne m'en voudra pas, je pense, de lui avoir laissé sa cigarette pour le prendre en photo. On a une question de Delphine. Quels sont tes coins préférés en baie ? Ah, mes coins préférés, j'en ai pas mal, mais si je devais en retenir deux, ça serait le Blocos, parce que c'est le lieu de mon enfance, c'est le lieu où j'ai appris à marcher, où je continue d'aller tous les jours, où je fais les photos. Et puis j'aime beaucoup la baie de la Mée, pas seulement parce qu'il y a les mouflons, je vais pas tous les jours prendre les photos, les mouflons en photo, mais parce que c'est un endroit qui est complètement désert quand on y va, enfin quand il n'y a pas de monde l'été, c'est un endroit qui est génial, on se croit au bout du monde. Quand on est parachuté là-bas, on ne sait pas dire où on est. On ne sait pas si on est dans le nord de la France, si on est un peu plus bas, si on est dans le bassin d'Arcachon, si on est au Danemark, on ne sait pas en fait. Il y a un côté très intrigant. Et j'aime beaucoup le côté sauvage, parce qu'on croise aussi beaucoup, beaucoup d'oiseaux là-bas, il y a une faune assez importante qui est collée, hein, au domaine et parc du Marcantère. Et il n'y a pas d'habitation, il n'y a rien sur des dizaines de kilomètres. Et c'est un bel endroit. Ouais. D'accord. Alors Alexandre, le temps file, on doit avoir bientôt conclure. J'aimerais vous déjà. Et oui, ça passe vite quand on parle de ce qu'on aime. Est-ce qu'on peut parler un peu du futur ? Est-ce que vous voulez devenir photographe professionnel dans le futur ? Alors, si on entend, je ne sais pas ce que vous entendez par photographe professionnel, c'est-à-dire en vivre ou okay, alors. Oui. Alors, est-ce qu'on peut considérer que je le suis devenu depuis quelque temps parce que je vends mes photos. Je vends mes photos depuis quelque temps maintenant. Des tirages en édition limitée. Mais alors, non, alors.
faire uniquement ça, complètement ça, non, parce que j'adore mon métier de dessinateur et c'est un équilibre. Moi, il y a un côté, j'adore me marrer avec l'actu. Il y a un côté un peu, voilà, qui est un peu fou, un peu tourbillon de l'actu. Et il y a le côté de la photo qui est équilibrant, où je suis dans la nature, où je suis en adéquation, où je suis dans. Passionné par ce que je prends et qui amène un équilibre, qui adoucit un peu la folie de l'actu et du dessin, quoi. D'accord. Et donc photographe, illustrateur et peut-être bientôt sculpteur sur bois. Non, ça c'est pas c'est pas prévu. Ah, c'est pas prévu. C'est pas prévu. Il y a beaucoup de bois flotté chez nous. Il y en a beaucoup. Ouais. Mais non, c'est pas prévu. Mais après, ne jamais dire jamais. Peut-être que je ferai que de la photo plus tard ou que du. Je sais pas. J'en sais rien. Mais en tous les cas, j'aime beaucoup l'équilibre que ça m'apporte aujourd'hui. Voilà. Donc, et explorer d'autres horizons géographiques que la baie. Par contre, ça. Et oui, bien entendu. Alors c'est vrai que là, on peut pas trop faire ce qu'on veut au niveau voyage, au niveau voilà. Mais c'est vrai que je disais il n'y a pas très longtemps que la baie de Somme permet de voyager tellement c'est riche et varié sur un périmètre de 30 km. Là, on peut vraiment bouger, voir des choses différentes. Alors, je ne vous cache pas que j'aimerais bien prendre un petit avion, l'un de ces quatre, et puis aller en Islande. J'adorais aller en Islande. Là, pour la photo, ça doit être top. Mais voilà, on va prendre son mal en patience et puis on verra la suite. Eh bien, bonne chance en tout cas et bonne continuation et bonne longue vie à votre exposition Objectif Baie. Merci beaucoup, merci à vous, merci pour l'interview et puis à bientôt. Merci beaucoup. Venez nous voir en baie de Somme. Vivement qu'on puisse retourner en baie de Somme. Ouais, venez. Notre échange se termine. Donc demain à 19h, vous retrouverez mon collègue Jean-Jacques Fresco qui recevra les photographes animaliers Christine et Michel Deniuo, le couple qui murmure à l'oreille des grands félins africains depuis des années. J'aurai le plaisir de vous retrouver moi-même jeudi, toujours à 19h, avec la photographe naturaliste Nathalie Houdin qui nous chantera un hymne aux oiseaux. Vous trouverez la suite du programme de ces rencontres quotidiennes sur le site du festival. Sur ce même site, vous pouvez visionner toute la semaine les films en compétition, ainsi que les photos issues des deux concours, l'un sur le thème de l'oiseau et l'autre sur les plus beaux coins de nature des Hauts-de-France. Merci encore Alexandre Hébert. Merci à toute l'équipe du festival, Adeline Hazard, Sandrine Louchard, Sophie Delso, Marie-Agnès Bosch et Delphine Moreau. Merci à l'équipe technique de KRD Audiovisuel. Un petit clin d'œil à Geoffrey pour la coordination et merci à Tiffaine et Antoine aux commandes de la régie. Bonne soirée à tous et à demain.